faut vraiment que vous voyiez ça. Waouh ! C'est un cadeau. D'une vieille connexion. En fait, il avait disparu depuis quelques années. Nom de code, Birdie. Avec un nom pareil, c'est vraiment pas étonnant qu'il ait disparu. Écoutez, je voulais voir si vous êtes capable de tirer mes petites filles. Vous croyez que vous tirez mes petites filles? Ça dépend de la fille. Quelle amitié vient de servir à côté de ma petite Lily? On va voir ce que vous valez. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Gravity pour un nouvel épisode d'Hitman Absolution. Ça fait un petit moment d'ailleurs qu'on n'a pas fait d'épisode. Ah bien, merci. Sur Putain, il a polissé son travail sur l'émission. Sur ce mode. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Enfin sur ce mode, sur ce jeu, excusez-moi, je suis un petit peu ailleurs. On est dans l'armurerie, comme vous avez pu le constater dans la bande-annonce. Et on va essayer d'aller, au lieu d'aller faire le concours si gentiment proposé par le petit vieux traqué automisé, on va l'étrangler, hein. Ça me semble plus adéquat, je sais pas vous, mais moi ça me semble pas mal. Tiens, le voilà. Donc on va tranquillement l'étrangler. Alors, autant pour s'amuser que pour la mission au final. On a un petit carnet à récupérer. Voilà, on lâche. La combinaison pour le coffre qui se trouve ici. On récupère la clé. La clé qui sert à quoi? Qui sert tout simplement à récupérer les Silver Ballers. Tant qu'à faire, ça peut être plus sympa. Hop. Le flic ne nous grille pas, il dit rien, il moufte pas. On va gentiment aller récupérer les Silver Ballers. Voyez comme le canon capte. Et on récupère tout simplement ces belles armes. Le Saint Graal pour Hitman. 47. Aïe, aïe, ça m'a manqué. Moi aussi. We have a mutual problem. Quel voulez-vous tester? Aïe, aïe, il en ferait flipper plus d'un, c'est moi qui vous le dis. Ah zut, je crois que j'ai loupé mon occasion.
Et t'étais pas le pote de... Ouais, je crois que je me souviens. On peut les ranger. J'ai failli me faire griller, mais j'ai esquive. Hop, j'ai récupéré une petite arme bien sympathique. Bon, les petits nains qu'on a tant affectionnés dans Sniper Challenge. Hop, ça canarde à fond les ballons. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas bons. Voilà. On avance bien gentiment et on découvre une petite surprise. On découvre en général en faisant un carnage dans cette armurerie. Hop, on récupère 2-3 petites choses. Notamment l'Ultra Max. Avec ça, je peux vous assurer, vous faites un carton. Et là, juste pour le délire. Ici, nous avons un sniper, le sniper de l'agence, qui possède un silencieux intégré. Ici il n'y a rien. Et si je vais plus loin, bah, je vais me faire griller. Donc maintenant on peut gentiment rentrer là où on devait aller. Voilà. C'est chaud les marrons. On va gentiment pouvoir retourner. Bah, qu'est-ce qu'il fait là lui? Bon, je me suis fait repérer, chose qui n'aurait pas dû arriver, mais j'avais un petit peu envie de passer ça. Donc on participe au concours. Oups. Avec nos petits Silver Ballers, qu'on est censé gagner grâce à ce concours, ce qui est quand même relativement drôle. Ah zut. Donc là on peut gentiment activer le mode exécution qui est quand même beaucoup plus marrant à utiliser. Voilà. Zut. Et voilà. Et boum boum boum. Fait déjà un petit score, somme toute sympathique. Quand il y a plusieurs cibles, en général, je me prends pas trop la tête. Boum. Dans ta tête. Waouh. Là, ils ont mis le paquet. Bien faire attention. Ah zut. Un peu trop utilisé. Petit. Ah, vu comment tu tirais tout à l'heure mon gars, j'imagine bien que t'aurais pas fini. Donc on a déjà battu le record. L'avantage d'avoir les Silver Ballers à ce moment-là, c'est quand même beaucoup plus simple. Je sais pas si Hitman a fait l'armée, mais en tout cas, il fait un carton sans souci. Pour le fun. Boum boum. Voilà, il restait 2 secondes. 4 cibles, ça me paraissait un peu short. Voilà.
706, j'ai déjà fait mieux. Donc maintenant nous avons nos petits Silver Ballers. Nous sommes équipés. Nous avons trouvé le cadeau de Birdie. On va pouvoir ramasser une petite arme, hein, juste pour le fun. Ah bah non, ça me fait tomber mon Ultramax. Excusez-moi, mais c'est quand même l'Ultramax. Hein. Et on va pouvoir se diriger à la porte tranquillement. Niveau terminé. Donc repérer une fois, hein, chose qui ne m'est pas arrivée depuis un petit moment. Parce que j'ai quand même refait la partie plusieurs fois, des petits problèmes d'enregistrement. Enfin, je vous passe les détails. Victime non désignée, ça c'est classique, preuve supprimée, et meurtre silencieux, habituel, classique, enfin voilà quoi, comme d'habitude. On va pouvoir se quitter ici, et on se retrouve très rapidement, hein. Soit pour Deadlight, il me semble que c'est ça le titre du jeu, sur lequel je fais une petite aventure suivie, hein, normalement le jeu se finit en 4h, 4h30, donc ça va être assez rapide. Et en parallèle, on continue un petit peu de BF, hein, beaucoup moins que d'habitude, mais c'est parce que j'ai moins le temps de m'y attarder. Et toujours notre aventure suivie sur Hitman, bien évidemment. Voilà, voilou, à très bientôt et bonne fête de fin d'année. Ciao, ciao.